RH, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Mico, la voix de Retro Gaming RH et Jimmy GTA 59, salut à et tous. Et c'est Jimmy qui va jouer et il va faire star. Et moi j'ai jamais joué à ce jeu, Jimmy. Donc je te demanderai c'est juste une... la manette à un moment donné pour faire essayer une vie. Donc c'est Little Samson sur la NES. Un jeu vraiment très facile à trouver. Ouais, facile. Non, je déconne. Il est quand même assez dur à rechoper. Hein, ouais, à un prix raisonnable, hein, on va dire ça comme ça. Bah là, c'est une version améliorée, on va dire. Ouais, c'est la version bah, pas améliorée, mais là, on joue sur la mini NES, tout simplement. La mini NES. Donc, un jeu qui était sorti tout simplement en fin de vie de la NES, il me semble. Ouais, je crois. Hein, c'est pour ça qu'en fait, on le trouve moins facilement que certains jeux. Enfin, moi, je l'ai lu étant petit. Et quand on est petit, on fait des bêtises, on le revend pour avoir des sous. Et j'ai revendu trop cher. Voilà. Hein? T'aurais su, tu l'aurais gardé. Hein? Ouais. C'est sûr. Là, c'est un jeu qu'on voit que tu connais un petit peu quand même. Tu joues moins... mieux que... Que Double Dragon et G.I. Joe. C'est un jeu que j'ai fini étant petit et je l'ai fini il y a pas longtemps. Mais il est rapide comme jeu. Hein. Ah ouais. Il est pas mal. Hein. Puis même les personnages sont sympas au niveau graphisme, tout ça, ils ont les bonnes bouilles. Ouais, franchement, ouais. J'aime bien. Moi. En fait, tu testes tous les personnages, en fait, t'as 4 personnages. Je vais prendre celui-là, celui-là, celui-là. Voilà, je vais prendre le suivant. Mmh. C'est le droit. Ouais, nous montons. Et il y a plusieurs, on peut tirer comme ça. Donc si on reste appuyé sur le bouton, bah, on fait des gros trucs. Et là, il y a des mini tornades. Si on les touche, bah voilà, quoi, ça fait ça. On peut le faire. Ah bah, tu passes plus vite le niveau. Hein, si... Mais il y a des ennemis pour te ralentir. Là, il y a une tornade qui va arriver. Mais il est très classe ce jeu. Bah oui. Moi j'aime bien, franchement. Eh ben, pour acquéreur de ce jeu-là, c'est ah plutôt oui. À conseiller si vous le trouvez en brocante. Ah oui, c'est sûr. De passer pas à côté, je pense. Ça sera un peu dommage. Hein. Ouais. Et pendant le jeu, enfin pas là, mais après, on peut changer le personnage. Ouais, on ouais. On peut prendre l'un des quatre. Enfin, celui-là, il est long. Il est lent, mais il est puissant. Il peut ouais. Marcher aussi sur c'est les... comme les jeux de bagarre, souvent quand tu prends un gros il est plus long que les autres. Hein ouais. C'est vrai quand tu fais un jeu de bagarre. Et il peut marcher aussi sur les épines et tout ça. Ah ouais, ouais ils ont chacun leur capacité. Ouais. Et après il y a une souris, elle passe partout. Ah là, donc toi tu crains rien, mais les autres bonhommes ils auraient peut-être quelque chose sur les pics, ah, non bah, et les musiques elles sont bien. Enfin, moi je trouve que les musiques elles sont bien. Ah ouais, plutôt sympathique. Ouais. Tu mettrais une note de combien à ce jeu? Moi bah, ouais, je mettrais 19. Un 19 sur 20, c'est vraiment ton coup de cœur sur la NES ouais, quoi. Sûr, ouais. T'aurais qu'un jeu sur la NES à avoir, ce serait sûr. Ouais. Ouais. Bah ouais, moi je vais y mettre un facilement un 18 sur 20 à ce que je vois, il a l'air quand même ouais, terrible ce jeu. Franchement, ouais, il est pas mal. Hein il est plus que pas mal. Ouais, à première vue, hein, je lui mettrai une très bonne note. Sur ce, ça se peut que vous n'aimiez pas du tout ce jeu, c'est possible.
Mais nous, c'est un jeu qu'on vous conseillerait. Allez, à plus. Allez, à plus.